Tony, t'es là? Oui, bah maintenant tu vas me voir plus souvent. Hein. Celle qui. Pour qui je craquais, elle veut pas moi. Ah, c'est bon. Comment ça, Sylvie? Ni maman, j'aime les hommes. Quoi? On y va, Toulouse. J'ai quitté à vous. Hein. Et moi, c'est terminé. Je viens te voir pour savoir si t'as des nouvelles de Bénédicte. Non, toujours pas. Ça fait un mois que j'ai pas vu. Ok, là, c'est grave. Oui, là, faut prévenir Julien. Ah, je suis toujours là. Je vais me faire quoi, elle va me tuer? C'est pas grave. Qui me tue, de toute façon, ça va se retourner contre lui. Les flics vont le retrouver. Mes amis vont le retrouver. Ils vont tabasser. De toute façon, ça va se retourner contre lui. On va me retrouver. Et c'est lui qui va aller en prison. À moins qu'il le tue direct. Mais ils vont le retrouver. Et ça, c'est sûr. Je peux vous le dire. Qui va payer très cher pour ce qu'il m'a fait. Moi, je veux comme ça parce que je veux plus lui. Maintenant, je suis avec José. José, il est très inquiet. Si ça se trouve, il est venu en France, j'en sais rien. Mais... Oh, il va payer. Je suis désolé, Bastien. Mais non, je l'aime beaucoup, mais... Non, il va tout faire pour que je me remette avec lui. Mais ça marchera pas. J'ai souffert, j'ai fait beaucoup de mal, ça marchera pas, il me récupérera pas comme ça, il me récupérera peut-être jamais, sauf en amitié. Ça, j'ai perdu toute confiance en lui, il m'a pas trahi, mais il m'a quitté sans aucune raison, il m'a dit que c'était pour le travail, il m'a menti sur son métier. Non, vraiment, il ne me mérite pas. Je suis sûre que Julien penserait comme moi. Donc non, vraiment, il ne me mérite vraiment. En aucun cas, il ne me mérite. Non. Vraiment pas. Bref. J'allais bosser, moi. Je suis passée ce matin vite fait. Enfin, je suis passée au bureau ce matin vite fait. Je suis rentrée. Puis, je vais y retourner là. Alors, on y va. Je crois que... Mais oui, ça fait un mois qu'on n'a pas de nouvelles. Ok, et tu crois qu'elle s'est fait enlever? Mais évidemment, avant qu'elle soit partie en vacances avec son chéri, mais... Non, c'est pas possible, elle m'aurait prévenu sinon. Elle m'aurait répondu au téléphone, elle m'aurait appelé. Elle m'aurait envoyé un message, mais là, aucune nouvelle depuis plus d'un mois. Pratiquement 2 mois que j'ai pas de nouvelles, un mois et demi. Ok, on va tout faire pour la retrouver. Si ça se trouve, elle est déjà morte. Non. Tu connais pas quelqu'un qui la connaît bien? Bah si, moi. Tu pourrais me renseigner? Sur quoi? Bah sur ses ex. Si elle a un ex, elle m'a un peu raconté qu'il en voulait beaucoup. Bingo. Ça se trouve, c'est lui qui l'a enlevé. Oh, mais j'avais pas pensé à ça, oh non. Oh non. Pourquoi tu m'as mis cette idée en tête, Julien? Au moins, tu y penses, au moins, ça se trouve, c'est ça. Elle a un ex qui lui en veut. Apparemment, elle a retrouvé l'amour, en plus. Ben voilà,
tac. Alors un ex qui lui en veut, elle a retrouvé l'amour. Son ex lui en veut, l'a enlevé pour la faire souffrir. Pour pas qu'il la quitte. Tu crois que c'est ça? Tu veux que ce soit quoi, Hélène? Franchement, en même temps, t'as pas vraiment tort, Julien. Putain. J'espère que ça va aller. J'espère surtout qu'elle est pas morte. Elle est pas morte, je te le promets. Ouais. Il vient de me dire quoi? Qu'il aime les garçons? Mais non, c'est pas possible, c'est une blague, c'est pas possible. Pas lui, pas Anthony. Ça lui ressemble pas quand même. Bon, en même temps, avec les gamins, on peut s'attendre à tout, hein. Alors, bon. Ça se trouve, Fanny, elle le sait. Je vais envoyer un message à Fanny, je vais lui demander. Ça se trouve, elle est au courant. Oh putain, la galère. C'est pas possible, pas Anthony, non. Porte bien où là? Coucou ma chérie, tu étais au courant que ton frère aime les garçons? Coucou, non, pas du tout, bisous. Ok, bisous. Oh non, mais elle n'était pas au courant, non. Oh. Putain, c'est la galère. Mon fils aime les garçons. Et puis pourquoi j'accepte pas? Bon, je vais peut-être l'accepter, mais là, c'est chaud, c'est normal. Respire, repose-toi, calme-toi. Je crois que je suis amoureux d'Hélène. Amoureux, j'avoue, j'ai plus peur de le dire. Ouais, je crois que je suis amoureux. Je suis vraiment amoureux. Hélène, je t'aime. J'ai plus peur de le dire. Je suis amoureux de toi, Hélène. Bon, enfin, il n'y a plus qu'à lui dire. Et moi, je n'en veux pas à son argent, j'en veux à rien du tout. Si, je veux elle parce que je l'aime. Je suis amoureux d'elle. Bon, il ne manque plus qu'à aller lui dire maintenant. Maman? Oui? Je peux te poser une question? Oui? Tu veux vraiment pas te réconcilier avec papa? Non! Mais il t'a fait quoi? Rien, justement. C'est ça le problème. Il t'a rien fait, tu le quittes? Trompé. Mais attends, mais tu lui as pardonné, ça, c'était il y a 7 mois. Tu lui as pardonné? Oui, mais c'est parce qu'il y avait le bébé, il y avait Léa. Puis, tu sais, j'ai jamais vraiment oublié ce qu'il m'a fait. Tu lui as pardonné juste par intérêt pour Léa? Non. Je l'aimais, je lui pardonnais par amour. Je sais pas, j'ai besoin de faire une pause là. Pour l'instant. Ben, j'ai pas envie de le voir et pour l'instant. Je suis bien comme ça et pour l'instant, c'est mieux que je l'ai quitté. Ok, bon, bah si tu me dis. Bah moi, je te laisse réfléchir. Ouais. Ok. Bon, ça va, je peux me mettre debout. Hein. Bon, maintenant. Il faut que je trouve un moyen de me sortir de là. Ça va être compliqué. Hey, laisse-moi sortir, fils de pute. Putain. Hey, il me laissera pas. Il me laissera pas sortir. Je suis là pour très longtemps. Oh putain. Hey, non, c'est pas possible. Je sais. Sortir, il va falloir que je passe par tous les moyens, par la méthode douce, par la méthode forte. J'ai un plan. Écoute, Giovanni m'a appelé, il a du nouveau sur Bénédicte, donc on va aller voir, d'accord? Il l'a retrouvé? T'emballe pas, on sait pas, on va aller voir et là on saura, d'accord? Bonjour Nicolas. Ça me fait très plaisir que tu m'aies appelé. Ça me fait plaisir de te voir. Doucement, si je t'ai appelé, c'est parce que la copine de José, Bénédicte, a disparu, on ne sait pas où elle est. Et on pense qu'elle s'est fait enlever. Pourquoi vous prévenez pas les flics? Parce qu'on a peur que si on prévient les flics, bien, ça lui attire des ennuis et qu'elle soit morte après.
Je sais que toi, t'as plein de contacts. Alors, est-ce que tu peux nous aider? Évidemment. Mais une seule condition. Je t'écoute. Couche ensemble. Non. Je t'aime, Nicolas. Ingrid, t'as dit non. Toi, chute, hein, ça va. Je veux bien t'aider, mais faut pas abuser. Je sais que tu m'aimes, mais on est amis. C'est déjà bien. Bon, ok, d'accord. Bon. Alors, je vais t'aider, y'a pas de soucis. Merci, Ingrid. Ça me fait vraiment très plaisir de vous voir. Surtout toi, Nicolas. Oui, on a une surprise pour toi. Ah oui? Mais plus tard, tu viens avec nous, ou ça? Voir Giovanni. Giovanni, c'est qui celui-là? C'est un ami. Informaticien. Et il m'a appelé, il a du nouveau sur Bénédicte. On va aller le voir. Tu viens avec nous? Avec plaisir, mon Nicolas. Allez, on y va, José. Ok. Bastien, t'es là? Je t'attendais. T'es très mal ce matin. Après qu'hier, tu m'as dit que tu voulais pas te remettre avec moi. Mais j'ai compris et j'accepte qu'on reste amis. Et je veux même bosser avec toi. J'ai démissionné dans l'armée. Quoi? J'ai fait ça par amour pour toi. Parce que je t'aime. Mais c'était ton métier si t'aimais ça. Pourquoi t'as démissionné? Fallait pas démissionner pour moi. Écoute, je démissionnais par amour. Parce que je t'aime, Alex. Je fais ça pour toi, Alex. Par amour pour toi, Alex. Écoute, je t'ai pardonné, mais je suis pas prêt à me remettre avec toi. Je t'ai pardonné en toute amitié. Et j'accepte que tu viennes bosser avec moi, si tu le souhaites. Mais je suis pas prêt à me remettre avec toi. Vraiment pas. Ok. Ok, mais j'ai fait ça par amour pour toi. Vraiment. Par amour. Bon, merci de m'avoir prévenu. Je vais tout faire pour la retrouver, ok? Même si ça peut lui attirer des ennuis. Je veux que vous sachiez qu'à chaque enlèvement, il faut prévenir la police, ok? Ok. Ok, bien, je vais vraiment tout faire pour la retrouver. Et je vais réunir tout le monde. Je vais appeler Azixia, toi et Christian, toi Hélène, toi Christian. Et mon nouveau mec aussi. Ton nouveau mec. Oui, je t'expliquerai, on réunira aussi, il peut vous aider. Je vais faire ça pour la retrouver. Est-ce que tu as le numéro de son mec, enfin de son ex, qu'il aurait pu l'enlever? Non. Ok, je vois ce que je peux faire. Je vais y faire et je t'appelle. Je vais appeler Adixia. Vous viendrez aussi. José et Nicolas. Je vais appeler Alex aussi. Mehdi. Même s'ils ne s'entendent plus avec Alex. On va tout faire. Et Rudy aussi, oui. On va tout faire pour la retrouver. Je vous promets. Ok, merci, je viens. Merci. Allez, salut. Bon, bah au moins c'est clair. On s'est fait bien disputer. Non, on est gentil, Julien. Tout ça, juste expliquer parce qu'on ne savait pas assez. Hein. Bon, on fait quoi maintenant? Bah, on attend la vie. Elle doit pas venir. Mais normalement, elle devrait déjà être là. Je sais pas. Bizarre. C'est papa. Faut vraiment que tu refasses un test. Et ça peut t'aider. Et si ça se trouve, ça peut même t'aider à reconquérir maman. Tu crois? Oui. Alors, je vais le faire, alors, ce test. Je vais le faire. Merci, papa. Bon. Tu fais quand? Bah, attends, je vais appeler pour prendre rendez-vous. Tu n'as pas été comme ça la dernière fois? Si, mais parce que j'étais pas loin, mais là, là, c'est fermé. Attends, mais je vais appeler. Je vais appeler pour prendre rendez-vous. Je vais appeler. Fais ce test, d'accord? Oui, je vais le faire. Parce que si tu fais pas ce test, ça peut t'attirer des problèmes. Quoi? Quel problème? Tu verras, mais fais ce test. S'il te plaît, fais-le pour moi et pour Ayem. Surtout pour Ayem. Elle y tient. Et moi aussi, j'y tiens. Ok. Bien, s'il te plaît, pourquoi tu réponds pas?
Pourquoi tu m'as quitté? Je t'aimais, moi. Je sais que j'ai pas toujours été droit. Je sais que j'ai été maladroit. Mais je t'aimais, moi. Pourquoi tu m'as quitté? Je vais appeler Adixia. Et... je vais tout lui dire. Je vais demander si je peux passer chez elle. Pourquoi, Livia? Pourquoi? Bon, oui, Adixia. Est-ce que je peux passer chez toi? C'est Livia, elle m'a quitté. On n'est plus ensemble. Quoi? Ok, je peux passer. Bon, bah, j'arrive alors. Merci, Adixia. Bon, Julien m'a appelé, Adrien m'a appelé. Mais je suis choquée. Oh, Livia l'a quitté. Oh, mais pourquoi elle l'a quitté, Livia? Je vais l'appeler. Si elle me répond. Oui, Adixia. J'ai quitté Adrien. Mais pourquoi? Parce que c'est la vie, c'est toi. Livia, je suis ton amie, tu peux tout me dire. Non, mais je l'ai quitté parce que je l'aimais plus, voilà. Puis en plus, il m'a trompée. Non, mais Livia, c'était il y a 7 mois et tu lui as pardonné. Oui, parce que je l'aimais et qu'il y avait Léa. Et sous tes conseils aussi, c'est pour ça que je lui ai pardonné. Ok, bon bah je vois que je peux pas te faire changer d'avis et que tu veux pas me le dire. Bon bah profite bien et profite bien de ta fille et voilà. Ouais merci. Mais c'est pas possible, même elle est au courant. Comment elle le sait? Adrien a dû lui dire. C'est pas possible, tout le monde va être au courant à force. Bon j'ai envoyé un message à Adrien, je vais lui dire qu'il arrête de prévenir tout. Pas le choix. Et après, ce sera son dernier message de ma part. Et qu'il arrête de m'appeler aussi. Bah, je vois que je peux pas la faire changer d'avis, ok. Entre mon fils homo, ma copine qui quitte mon ami, là, c'est tout. C'est tout parti. Julien m'a appelé aussi. Apparemment, Bénédicte est revenue en France. Et qu'elle aurait disparu et qu'il avait Christian serait très inquiet. Oh. Mais non, c'est pas possible. Il veut réunir tout le monde. Oh. Non, mais je peux pas sortir d'ici. C'est tout fermé. C'est pas possible. Il va me retenir combien de temps comme ça, José, putain. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Je t'ai qui m'entend, qui est derrière la porte. Connard! J'ai toujours envie de le frapper, de l'insulter. Je peux pas, j'ai peur. Puis si je le frappe, il me tue. Alors non. J'ai toujours mon plan prévu. Et ça va changer. Croyez-moi, il va pas s'en sortir comme ça. Pourquoi? Ma chérie, Peter, vous connaissez? Évidemment, c'est un ami. Alors comme ça, t'es en couple avec Hélène. Ça fait plaisir de te voir. Et oui, comme tu vois, j'ai rencontré le grand amour. Et oui, je vois ça, mon Peter. Bah, je suis content pour vous, alors. Félicitations. Et j'espère que vous allez être heureux. Merci, je t'en prie. Bon, pour le mariage. On n'y est pas encore, on n'y est pas encore. Non, c'est sûr, on n'y est pas. Mais bon. Ça peut aller vite, vous savez. Mon Christian, t'arrêtes. Mais je rigole, allez, j'arrête, je vous embête. Je rigole, hein, Peter. Ouais, tu rigoles. Ça va, Christian? Et toi, mon petit Peter, comment vas-tu? Très bien, vraiment très bien. Mais c'est le principal, alors. Et qu'est-ce que tu fais là, en fait? Bénédicte a disparu, on n'a pas de nouvelles. Tu connais Bénédicte? Oui. On n'a pas de nouvelles. Et elle, comment dire? On pense qu'elle s'est faite en long, on a prévenu la police, on a prévenu Julien, que tu connais. Julien, c'est mon meilleur ami. Quoi? En plus? Et du coup, bien. Voilà. Et il va nous appeler pour qu'on la cherche ce soir, s'il la localise. D'accord.
Bon, maman, il est pas là, Félix. Ok. Salut les amis. Enfin, les amis. Mon amour. Et ma chérie. Salut papa. Bah, vous êtes toutes les deux. Oui, Félix est sorti. Ah, bizarre. Bon, tant pis. Bon, ça va toi? T'étais avec Adrien, elle va bien? Pas la forme, non. Ah, qu'est-ce qui lui arrive? Lydia l'a quitté, elle était à Toulouse. Et elle l'a quitté pendant qu'il était au Portugal pour son travail. Quoi? Lydia? Mais ça lui ressemble pas de quitter. Mais non, mais je comprends pas, attends. Rien est super sympa. Il l'a trompé il y a 7 mois avec la sœur de Minnie. Elle lui a pardonné, mais c'est resté dans un coin de sa tête et... Aujourd'hui, elle a décidé de le quitter, mais il sait pas pourquoi. Oh mince, le pauvre. Oui, le pauvre, tu peux dire. Oh. Bon. Bien. On fait quoi? Bah, rien. La cobri Félix, il rentre quand? On sait même pas où il est. Quoi? Non, il m'a dit qu'il sortait voir un ami. Ouais, j'espère, hein, pas qu'il fasse comme il y a quelques mois. Qu'il fume, quoi. Mais non. J'espère. Fais ce test. Si ça se trouve, t'es pas stérile, c'est un piège. Il a dit quoi? Très bien entendu. Fais ce test. Ça se trouve, c'est un piège. Un piège? Et ça peut t'attirer des ennuis. Des ennuis? Oui, papa. Alors, fais ce test. Ok, je vais prendre rendez-vous. Je vais les appeler tout de suite. Des ennuis? Il a dit quoi? Je vais faire ce test. Je vais faire ce test. Je veux pas que ça m'attire des ennuis. Je veux pas. Quel genre d'ennui? Bon, instant. Ok, c'est sûr qu'elle est là. Maintenant, je vais y aller avec Alex. Et tous les garçons. Alors, Mehdi, on veut aider? Ouais, bah ça va. Hein. Calme ta joie. Est-ce aujourd'hui ou bien demain pour une vie, on se prendra.